Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peter Réaction. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner et d'allumer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles updates. So, aujourd'hui, on va écouter la chanson de Tag Boy featuring avec Daphné. On quitte un peu la RDC, on part un peu vers le Cameroun. So, the name of this song is Song of Culture. On va un peu entendre ça. Il veut me déranger, mais ce n'est que c'est pas fini. Comme vous pouvez voir, c'est comme on a dit, Song of Culture, donc son de la culture, de culture en fait. Je pense que ces chansons parlent un peu de la culture africaine. Et ces sons, je pense pas, mais il est similaire au son congolaise. Donc, je sais pas. Quand je dis congolais, c'est-à-dire de culture congolaise. Donc, si je comprends bien, ils sont en train de parler en deux, trois langues, quelque chose comme ça, là, donc en français, en anglais et puis leur langue. Ouais, ça c'est vraiment la culture, donc. Je ne sais pas, moi je suis ouvrier. Et des fois, il y a quelque chose comme ça, un peu de ce côté. D'abord, on part d'abord vers la culture congolaise, on parle un peu de sébène. Quand ça fait tout tuli, tuli, un peu ça. C'est ça qu'on appelle sébène chez nous hein, en RDC. Donc, quand la guitare et le truc commence à faire jouer en fait. Ils ont vraiment porté les habits du village. Bon, c'est pas vraiment du village, mais un peu village moderne. Donc, pour incarner un peu ce qu'ils sont en train de dire avec le son. Je ne sais pas comment vous trouvez cette son parce que cette son d'abord ça tape vraiment ça me like. Si tu entends ça même 5 fois tu vas dire mais putain si j'en joue hein. Voilà de ce côté de cette partie chez nous dans ma culture on danse avec les épaules tu vois ça fait un peu le tour je ne sais pas si eux vont danser avec les épaules. Pour faire voir, pour vous dire que en Afrique centrale, presque toutes les cultures, ils ont presque un truc en commun. Donc, c'est seulement les noms qui leur changent. Oh, je suis quelqu'un, je suis le machin, mais au finish, on est tous dans le même cercle. Ces gens sont en train de danser bien, ils sont en train de. Donc la musique elle est juste. Je ne sais pas, même la vidéo, quand tu le vois comme ça, là, tu vas rigoler toi-même. Every day
tu dois vraiment. Désolé, parce que dans cette chaîne, on va commencer à expliquer aussi, on va commencer aussi à parler de la vie de réaction. Tu allais entendre deux fois. Je vais un peu couper pour parler un peu de. Expliquer un peu ce qu'ils veulent dire du son en fait. Pour dire que chaque jour tu dois améliorer. Quand il dit every day I'm going higher, c'est-à-dire pour dire que chaque fois tu dois t'améliorer. C'est pas dit que quand tu fais quelque chose pour toi c'est fini. Non, tu dois t'améliorer chaque jour. Tu dois ajouter des choses que tu n'ajoutais pas dans, par exemple, je sais pas moi, dans ce que tu es en train de faire, dans des vidéos, dans ton travail. Si tu vois que ton travail devient trop simple et puis ça devient comment dirais-je? Tu le fais chaque jour, même tu fais chaque jour la même chose, donc tu fais la routine chaque jour. Mets quelque chose de piment, mets un peu de piment pour un peu que ce soit, comment dirais-je encore, pour que tu sens un peu cette challenge. Parce que quand tu fais trop de routine, c'est nul. Ça, c'est vraiment la culture africaine, la culture africaine pure. Mais ils sont graves. Eux, ils sont en train de le continuer comme ça, alors que de cette partie, les Congolais, ils vont le laisser passer avec de dédicaces. C'est incroyable, les Congolais. Bon, c'est un plaisir d'écouter cette chanson. Non seulement ça nous a conseillé qu'il faut chaque jour améliorer, et c'était vraiment bien la vidéo, les paroles. Donc, je vous conseille d'aller regarder encore cette vidéo. C'était Ronsalix.